la mission de la délégation, c'était toute la promotion des intérêts du Québec basée sur les compétences du Québec. Au-delà de l'économie et le commerce, on touche la culture. On touche aussi les relations gouvernementales qui sont très importantes pour faire avancer les dossiers qui touchent la frontière. C'est de donner des conseils. C'est aussi d'accompagner les personnes et c'est d'identifier les partenaires potentiels. Il est clair que pour les compagnies québécoises, on essaie d'élargir les marchés, trouver des nouveaux marchés, possiblement trouver des partenaires. C'est une bonne place pour faire des affaires. Les Américains sont ouverts, sont accueillants. C'est la capitale aussi de la culture. Vous savez, New York, on dit qu'à chaque coin de rue, il y a une histoire. On a vraiment un entrepreneurship qui s'affiche bien, qui s'affirme et qui est compatible, je pense, avec la dynamique new-yorkaise. Il y a une concurrence énorme. Les gens sont très articulés, sont préparés. Donc, quand on arrive ici, on soit préparé, aucun doute. Le Québec a pas beaucoup de leçons d'apprendre, parce que le Québec, quand même, une société qui a fait des progrès énormes. Et moi, ça me permet, quand je suis en interrelation avec les Américains, non seulement d'écouter, non seulement d'apprécier ce qu'eux font, mais aussi de faire voir ce que nous avons fait. Qu'est-ce qu'on, je pense qu'on a le potentiel de faire à l'avenir.